RMC Politique, le journal du Hof. Info exclusive, coulisses, indiscrétion à 8 mois de la présidentielle. Tous les matins, on vous dit tout ce qui se trame dans le monde politique. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. On commence avec le discours maudit du président de la République hier soir à Marseille. On se serait cru sous François Hollande, ironise un conseiller d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, hein, François Hollande, ce président sur lequel la pluie tombait dès qu'il mettait le nez dehors au début de son mandat. Devinez ce qui est arrivé à Emmanuel Macron hier soir alors qu'il présentait son grand plan pour Marseille. Une grosse averse en plein milieu de son discours. Moment de flottement, le président tente de continuer sans parapluie, en demande un, puis finit par s'arrêter alors que les invités se lèvent pour se mettre à l'abri. L'averse passée, le discours reprend, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques minutes plus tard, panne de courant, plus de son, les chaînes d'infos en continu interrompent une nouvelle fois la retransmission. Le président, cette fois, ne s'arrête pas, il poursuit sans micro, une dizaine de minutes, c'est long. On a l'explication, les techniciens qui sonorisaient le discours ont en fait eux-mêmes coupé le courant de peur que la pluie ne provoque un court-circuit. Quand ça veut pas, ça veut pas. Le grand plan pour Marseille, à peine dévoilé que déjà il prend l'eau. Et des nouvelles ce matin de la réforme de la dépendance. Et elles ne sont pas très bonnes ces nouvelles. Je vous parlais cette semaine de la réforme des retraites qui risque bien de passer à la trappe. Et bien la grande réforme de la dépendance aussi. Le Covid a pris trop de place. Le calendrier parlementaire est beaucoup trop serré d'ici la fin du quinquennat. On n'y arrivera pas, se désole un député de la majorité. La réforme de la dépendance devait notamment permettre de créer 350 000 emplois d'ici 2030 en favorisant le maintien à domicile notamment des personnes âgées. La cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pourrait quand même voir le jour d'ici la fin du quinquennat, selon un proche du dossier. On vous l'annonçait dès hier, l'ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg va se déclarer candidat à la présidentielle demain, la fleur au fusil. C'est le off du jour. Selon son entourage, Arnaud Montebourg veut être l'élément chamboule-tout de cette campagne et rien ne l'arrêtera à en croire ses proches. Le financement de la campagne, ce n'est pas un problème. Une plateforme va être créée pour recueillir les dons. Les 500 parrainages nécessaires, pas un problème non plus. Regardez, des gens accordent bien leur parrainage à Éric Zemmour sans même le soutenir. Quant à l'équipe de campagne, elle n'est pas encore constituée, mais pas d'inquiétude, tout roule. C'est le message de l'entourage d'Arnaud Montebourg. L'ancien socialiste aurait même trouvé une solution pour continuer à faire tourner les 9 entreprises qu'il dirige, y consacrer un jour par semaine pendant la campagne. Et 9 entreprises jour. 9 entreprises, c'est beaucoup. Ah oui, c'est autour de produits bio en général. Et le 7e jour, donc, Arnaud Montebourg ne se reposera pas. L'événement du week-end à droite, le campus de rentrée des jeunes républicains au Parc Floral de Paris, ça commence demain. Hein. Et il n'y aura pas que des jeunes. Les 4 principaux candidats à une hypothétique primaire seront là. Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et même Valérie Pécresse. Elle a claqué la porte du parti en 2019. Mais voilà, quand elle a su que ses concurrents seraient là, la présidente d'Île-de-France a insisté pour venir. Elle nous confie l'un des organisateurs sous prétexte que l'événement avait lieu dans sa région. Comme disent les jeunes, même chez les Républicains, Valérie Pécresse se tape l'incruste. Merci beaucoup Pierrick Bonneau pour RMC Politique, le journal du Off. Ce que vous n'entendez pas ailleurs à 8 mois de l'élection présidentielle.